Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Horizon Zero Frozen Wild. Nous en sommes à l'épisode 5 et on avait 3 épreuves à faire pour pouvoir affronter en défi le grand chaman qui nous permettrait d'aller justement à cette montagne de fumée. Et on commence avec l'une des épreuves que j'appréhende le plus, c'est celle de chasse. Je la sens pas, quelque chose me dit que je la sens pas. On va parler à la gardienne et on verra là où cela nous gardienne. Mène. Auréa m'a dit de participer à tes épreuves. Elle a dit ça? Tu es la première qu'elle envoie ici. Pour quelle raison veux-tu t'entraîner? C'est une question que je pose à tous les Banouks qui veulent tenter leur chance. Je compte défier Aratak pour devenir chef de son Verrak. Tu ferais mieux de commencer, alors. Oh, tu vas me parler autrement, toi. Plus d'infos sur toi. Alors, je vais pas vous cacher que je m'en bats les couilles d'elle, mais bon, pourquoi pas. Tu dois avoir des histoires à raconter. Mes histoires sont mortes et enterrées. Autrefois, j'étais membre des Filles du Tonnerre, bien avant qu'elles se séparent. À l'époque, nous étions la terreur des hommes de Banour. Ça n'a pas duré. Certaines sont tombées au combat, d'autres ont été exilées, un sort tout aussi glorieux. Et d'autres ont connu pire. Comme quoi ? Elles ont vieilli. Et découvert que les traditions contre lesquelles elles avaient lutté sont toujours là. Alors je dis à mes chasseurs de rester jeunes. Comment se passent les épreuves ici? On ne donne pas de médailles. J'en avais, mais je m'en suis servi pour réparer les trous de mes bottes. Au lieu de ça, tu dois battre les meilleurs temps réussis par d'autres chasseurs Banouk. Arriver deuxième, même troisième, te placera parmi les légendes. Et si j'arrive première? On verra. D'accord, donc il y a peut-être une surprise si on fait numéro uno. Vous n'êtes donc pas du pavillon des chasseurs? Chaque tribu revendique la propriété des zones de chasse. Et chaque tribu prétend que les Karja les leur ont volées. Et à qui sont-elles? À nous. Et les Karja vous les ont volées? C'est exact. Choisis-en une et je te dirai ce qu'il faut faire. D'accord, bon, question. D'accord, ok, comment trois c'est les épreuves? Trois défis à surmonter. Attends, trois... Non. Laquelle veux-tu essayer? Non, attends. Maîtrise, assaut. Épreuve chef Cette de clan. Cette épreuve est la plus dangereuse organisée dans les Champs des Neiges. Les chefs ne la réussissent pas tous, mais seul un chef peut la tenter. L'épreuve d'assaut permet de voir si tu es capable de résister aux fluctuations du combat. Ouais, je vais prendre Des vagues assaut, successives hein. de machines seront lâchées dans les arènes. Prends ton temps. Réfléchis. C'est le seul moyen de les vaincre sans être submergé par leur nombre. Je vais prendre assaut. Je vais prendre totalement assaut. Ouais, ça Quand me paraît pas mal. Prête, utilise la corde pour te mettre en place. Laisse-nous un moment pour attirer les machines jusque dans les arènes. Puis prends la corde. Très bien, on va affronter un mode assaut. Ça me paraît pas mal. Je vais poser mes filets tri. On est parti. Commencez l'épreuve en descendant de la corde. Ah, je m'attendais pas à ça. Allez, ça dégage. Ok, attendez. Oh, ça préchauffe pas ici. Hop, ça c'est le point faible, ils sont assez stock. Ok, on va peut-être que finalement ça servait à rien ce que je faisais. On va refaire des flèches vite fait. Ah, bien joué, beau pré-shot, on apprécie. Ok, ça c'est pas mal, j'ai visé le point faible. C'est bien pour se remettre en bain. Ok, c'est pas mal pour se remettre en bain. C'est parti les gars. Alors je pensais que j'aurais pu mettre des pièges, mais je crois que je me suis fait totalement arnaquer, si je peux me permettre l'expression. Peut-être qu'en faisant ça, bougez pas. Ça marche. Ça a l'air de marcher. Ok, maintenant on va reprendre ça. Ça, c'est... Oh, la doublette! Le joueur franco-thaïlandais qu'on attendait plus sur cette arène. Ok, c'est pas mal. Accéder à la zone suivante. Ah mais ça marche par zone. Très bien, j'aurais pu le savoir. Ça m'aurait fait plaisir de le savoir un tout petit peu plus tôt. Voilà, belle doublette. Ouais, ils vont être de plus en plus stock, hein, vous vous en doutez.
Ok, on cavale par ici. Ok, maintenant on prend ça. Ça c'est pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Ok, il m'a juste flashé, c'est rien. Rien de grave. Rien de grave. Ok, je vais pouvoir lui asséner un coup critique. Ça, ça dégage. Et ça, ça dégage. Ok. Hop, on va récupérer ça. Voilà, c'est pas mal. Ça va, c'est des petits, c'est des petits. Je me fais pas trop de soucis. Vous êtes combien, les gars? Et ben voilà. Eh, les gars, jusqu'ici, on s'en sort plutôt bien. Désolé. Éliminer la vague numéro 2. Attendez, 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 attendez. Ok. On va faire ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est la vague numéro 2, ça. Wow. Ok, lui, il est un peu plus rapide. Attendez. Voilà. Allez, ça dégage. Hop, ça dégage aussi. Bon. Ah, ils sont relevés. On s'en est très bien sorti. Direction, je suppose... accéder à la prochaine zone, la vague numéro 3. Il y en a combien des zones, les gars? Ça me fait un petit peu peur. Je vous avoue que je commence à frissonner un petit peu. Je vais garder cela. Je vais continuer de mettre des pièges. Et je vais sortir surtout le Raygun qu'on a eu. Ah, mais faut faire vite. Tuer les vagues de machines. 3 minutes 30. C'est ce qu'a fait le boss. Aïe, aïe, aïe. Ma chérie, coup critique. Voilà, on est mort. Hein. On est totalement mort dans le film. J'aurais dû aller d'avance ici. Hop, regarde, 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 regarde. Ça, c'est un beau croche-patte, ça. Ok. Ok. Allez. Voilà, c'est pas mal. Ça tire en balle réelle. Attention. Aïe. Ok, ça dégage. Ah, c'est chaud, hein. 3000. Oh là là. Ok, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Bougez pas. 3 minutes 30, celui qui a fait ça, Psartek à lui. Psartek à lui, c'est un chasseur de ouf. Hein. Ok. Aïe. Ah là là, là là, je suis Keblo. Je fais n'importe quoi là. En fait, je veux trop jouer avec les pièges. Je me crois trop dans une chasse classique. Ok, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On dégage, allez hop. Ah, il en reste encore. Ça, c'est chiant. On va s'en occuper très rapidement. Info. Wow. Ça tire à balle réelle. Ok. Ok, c'est méga chaud, les gars. Méga chaud, pas de munitions, comment ça? Waouh! Waouh! C'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Oh, 20 minutes, ouais, non, bah les gars, là on va être dans les 20 minutes. Hein. 3 minutes 30, c'est impossible, la vérité. Qui a déjà fait ça? Qui a fait ça en 3 minutes 30? Faut jouer qu'à ce jeu. Eh, j'ai d'autres préoccupations hein, dans la vie, hein. Aïe! Oh, lui il a chargé sur 4 générations, frère. Il a mis toute la haine. Aïe! Non mais, je me sens plus là. Ma vie est tellement nulle. Oh ouais. Sale.
Ok, c'est pas mal. Hop, un petit coup de critique, on adore. Oh, c'est incroyable, ce pré-shot! Il fait des pré-shots qui n'existent plus! Ok. Allez, c'est terminé. Rien à foutre. Fallait me le dire plus tôt qu'il y avait ça, hein. Ça change tout, hein. Épreuve réussie! Ouais, les gars, dégueulasse. Je suis dégueulasse. Je suis vraiment une sombre merde. Oh putain, c'est terrible. Oh, c'est terrible, hein. Bah, je suis désolé. Bah, la panique, j'ai paniqué. Il faut le dire, les gars, j'ai paniqué. Attends, si je dois faire les trois épreuves. Oh, que Jésus me vienne en aide, hein, les gars, parce que là, on n'est pas bien. Hein. On n'est pas bien du tout, hein. Oh là là, ça va être terrible. Oh là là. Oh, j'appréhende déjà. Ça va nous prendre 30 minutes, juste les trois épreuves. Allez, normalement, ça devrait être fait. Troisième place du premier coup. Ah, c'est vrai. Il ne faut pas te sous-estimer. Ça me parle un peu comme une merde, ça fait plaisir. Ok, récompense épreuve, très bien. Si je me suis assez entraîné. Alors, passe à autre chose. J'ai fait mieux qu'un champion. Ça devrait faire parler le Vérac. En fait, on doit parler de moi à la cime du champ. Il est temps de défier Aratak. Ah, il fallait faire une des trois épreuves seulement. Très bien. Bon, on a un vendeur. Oh, qu'est-ce que tu as à vendre? Oh, c'est beau ça, c'est de toute beauté. Oh, c'est de toute beauté. Ça, c'est beau ça. Il y a de très belles arcs. Mais, je n'ai pas l'argent. Et là, c'est chiant, c'est chiant. Bon, il n'y avait qu'une épreuve à faire sur les trois. Franchement, les gars, Psartek, je vais appeler mon cheval. Parce que le cheval, c'est génial. Il vient d'où? En plus, c'est un taureau. Mais qu'il est beau. Mais regardez-moi cette gestuelle. Allez, hop. On est d'accord? Vous me confirmez? Non, j'ai pas fait un déplacement rapide. Pas pour ça. Oh, quoique. Allez, on se fait un total déplacement rapide, les gars. Parce que là, faut pas se foutre de ma gueule. C'est super loin. On est parti. On va défier le Vérac. Et on va voir ce que ça peut donner. Allez, nous voici au feu de camp. Il faut défier Aratak. Je sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai hâte de le découvrir. Est-ce que je vais vraiment le défier en 1-on-1? C'est maintenant. Mon peuple ne cesse de raconter tes hauts faits. Il semble que tu t'intéresses beaucoup à notre parcelle de neige étrangère. Oui. Et apparemment, c'est le seul moyen pour moi de tout voir. Tu me lances un défi? Pour le Vérac. Toi? Ha! C'est une plaisanterie! C'est très sérieux, Aratak! L'étrangère est ton pion. Comme tu soutiens sa demande, je suis forcé de l'accepter. Je dois dire que tu me déçois, ma sœur. C'est toi qui m'as banni du fût du tonnerre, mon frère. Frère et sœur, hein? C'est un petit peu plus compliqué que ce que je pensais. Non, c'est simple. Rejoins-moi au pilier de gel, et je mettrai un terme à cette sottise. Je suppose que je te dois une explication. Je suis d'accord. Et pourquoi tu m'as pas dit qu'Aratak était ton frère? Ça n'était pas nécessaire. Je suis surprise qu'Aratak l'ait révélé à une étrangère. Il est sûrement en colère. Je ne suis pas très douée avec les gens. Je préfère la compagnie des esprits. Ou même la mienne. Je ne voulais pas que tu prennes ce pèlerinage pour une querelle familiale. C'est beaucoup plus important que ça. Alors, clairement, bon, guerrier, ils ont un petit problème sur les mixages, en tout cas, quand ils ont greffé les voix françaises, le doublage français. On n'entend pas très bien les voix, après, c'est un enfer, on n'entend plus que ça. Assez terrible, mais on apprend des choses. Et on va donc bien défier Aratak. T'as du cran, je le reconnais. S'en prendre à son propre frère. Il ne m'a pas laissé le choix. Il me croit trop jeune. Il veut me cacher derrière le groupe. Il m'empêcherait d'accomplir mon destin. Pourtant, une partie de moi savait qu'il finirait par me pardonner. Il pardonne toujours. Oublions ta famille. En quoi consistera ce défi, au juste? Aratak et toi chasserez des machines aux piliers de gel. Le plus rapide l'emportera. Ce sera difficile.
Ça me changera pas de d'habitude. Rejoins-nous au point de départ. Je t'en dirai plus. Ce sera plus simple à expliquer au pied des collines. Aïe, aïe, aïe. Auréa, ça n'a rien d'une histoire de famille. Je veux savoir ce qu'il y a au fût du tonnerre. L'esprit, le daemon, et le lien avec les machines. Mais si on doit se lancer, je veux que tu sois franche avec moi. Je t'ai sous-estimé. Ainsi qu'Aratak. Je ne ferai plus la même erreur. On se retrouve au pilier de gel. Bon, je vais devoir risquer ma vie pour devenir chef d'une bande de chasseurs baniques. J'en ai toujours rêvé. Alors, me voilà. Le Daemon veut clairement, les machines contre nous. J'appréhende beaucoup ce qui va se passer, je la sens pas. Bah, je vous le dis, je la sens pas, les gars, je la sens pas du tout. Ça risque d'être bien compliqué, cette histoire. Néanmoins, on va le faire, parce que déjà, clairement, on n'a pas le choix. Mais si c'est lui qui avait fait les records, genre 3 minutes 30, waouh. Et ça me donne même envie d'aller voir des vidéos sur YouTube pour voir qui a réussi et comment il a fait pour réussir en moins de 3 minutes 30 les 3 vagues. Parce que franchement, on peut dire ce qu'on veut, j'ai été super lent. Hein. J'ai été super lent et super nul à chier. Mais ça retait quand même, les gars. Il y a un moment, il faut le reconnaître. Bon, je suis au dos de ma... Comment il s'appelle? Le coureur, ça s'appelle un coureur, je crois. Hein. Je suis au dos de mon taureau, quoi. Je vais l'appeler mon taureau aîné parce que c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est le plus grand, c'est le plus fort. Et il faut traverser. Ça traverse ou pas? Il traverse totalement. Il a peur de rien. Oh là là, c'est le plus beau des taureaux. C'est horrible, les gars. Vas-y, on se cache, on se cache, ça m'a saoulé. Hop, petit tard. Ça fait plaisir, c'est la mi qui régale. Quelle est cette sombrerie? Toujours à 200 mètres. Je sais pas par où je passe, hein, vraiment, mais bon, j'y passe. Bien, si vous ne cherchez pas. Attendez, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas bien ça, si, c'est bien. Waouh, stop! Ça, c'est bien, ça. Ça, mon pote, c'est bien, ça. Oh oui, ça, c'est bien. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Je prends. D'accord, on peut se casser. Il y a bien des petites parcelles cachées, ça, c'est plutôt cool. Peut-être que c'est pareil, cette erreur. On va passer par ici. Parfait, ils repartent. Allez! Je sais pas ce qu'il a, mais dès qu'il y a une petite pente, il n'y a plus personne. Ok, on va passer par ici. Pas par où c'est. On a un sanglier. J'ai mis ce qu'il méritait. Hein. J'ai clairement mis ce qu'il méritait. Ok, c'est là-haut. Okay. Les piliers de gel ne devraient pas être loin. Ok, on est bon, les gars. Direction le pilier de gel. Je sais pas du tout ce que ça va donner, ce défi. J'ai les hâte de le savoir. Aratak et Auréa sont dans le coin. Ok. Ok, ils sont là. Allez, c'est parti! Montre-moi ton défi que je t'affronte. Donc, les gars, on va recharger tout. Max, voilà, on est pas mal. Allez, dites-moi tout. Étrangère! J'ai déjà relevé ce genre de défi. Je ne crains rien. Ce défi, c'est ridicule. Tu n'es pas Manouk. Tu ne comprends pas mes responsabilités. Je te le demande. D'un chasseur à un autre, abandonne. Tu nous laisseras monter au fût du tonnerre? Tu n'as pas vu ce qu'il y avait là-bas, étrangère. Je ne risquerai pas encore la vie de ma sœur. Alors inutile d'attendre. D'accord. Je vais enterrer ton défi insolent dans le sol gelé. Ça suffit. Allez, commençons. Chasser. Lutter. C'est toute la vie des Banouks. Et c'est ce que tu devras affronter. Tu escaladeras les piliers de gel par l'est, Aratak par l'ouest. Chaque piste croise des groupes de machines redoutables. Des chasseurs. Du Vérac seront placés sur le chemin. Ils t'appelleront, te montreront les machines à abattre. Ta traque te mènera vers le centre par la falaise, et tu descendras dans la vallée pour la dernière cible. À chaque fois, une fois ta proie tombée, tu devras lancer une balise comme celle-ci afin que le clan suive ta progression. Tuer des machines, lâcher des ballons, compris. Alors. Le premier à lâcher le troisième ballon a gagné.
Eh bien, oui. Mais en tant qu'aspirante, ta voie sera plus difficile. Si une seule de tes balises part après celle d'Aratak, il gagnera. Ah ! D'accord, c'est pas très sympa ! Tu as eu ta chance, étrangère. Toi aussi. Aïe, aïe, aïe ! L'épreuve commence à mon signal. Allez, je dois gravir cette montagne. Je la sens pas, j'ai 7 minutes. La tristesse du game. On dirait qu'il y a plusieurs trajets possibles. Ils sont marqués par ces peintures sur les roches. Hop, on va s'équiper déjà de 3 trucs. Je me suis mis 3 flèches directes. Allez, c'est parti. Bon, faut que je cavale. Je la sens pas de ouf. Je vous le dis honnêtement, je la sens pas de ouf. On va voir ce que ça a donné. Si j'arrive du premier coup, Sartek, ça dure 7 minutes. Si j'arrive pas du premier coup, RTC, c'est triste. Ça devrait le faire, normalement ça devrait pas être trop difficile, étant donné que tu peux faire ce DLC très rapidement. Ah, plus dur pour le joueur franco-italiano. Ok. Ok, je ne sais pas où je vais, hein. C'est incroyable. C'est incroyable! Faut aller où? Bordel! Ok. Ah, c'est aller par ici, très bien, j'ai suivi. Ah, c'est tout droit, ok, d'accord. Ah ouais, putain, les mecs! Ça met des trapes! Ok, faut toujours monter, normalement on est bon. Vous l'aurez compris, c'est de falaise en falaise. Alors, on s'active. Oh putain, en plus ça met la pression. Ah non, faut pas jouer comme ça. Oh, c'est compliqué, hein. Je vous avoue que là j'ai des petites craintes. Normalement il devrait être plus lent que moi, hein. J'ai une souplesse et une agilité acquis au cours de ces 30 dernières années. Je crois que c'est par là. Je suis au top, hein. Ok, c'est pas mal, là je commence à... Faut aller vite, c'est la première fois qu'on le fait, bien évidemment. Donc je commence à assimiler déjà le parcours. Je suis presque en haut. Ouais. Attends, ça, presque ça me suffit pas. Ça me plaît pas. Bon, okay. Écoute, ton objectif est d'éliminer le troupeau en bas. Toutes les machines. Éliminer un troupeau, aucun problème. Ok. Allez. Ok. Ça, c'est bon. Ok. Ça, c'est terrible. Ok. Allez, abuse pas! Voilà. Oh là là! Voilà. Ça, c'est terrible aussi. Allez, ça dégage. Ok, on va se reload. Je sais pas, je la sens pas celle-là. Hein. C'est rien. Ok, ça dégage. Ça, ça dégage aussi. Allez. Ok, on est bon là ou pas? Putain, on est toujours pas bon, c'est terrible. Allez, ça dégage, lâchez le ballon, putain, j'arriverai jamais, c'est le premier. On est mort, hein. Oh là les gars. Allez, c'est parti. Grimpe sur le rebord et lance ton ballon. Ok, c'est que le premier ballon. Oh, je suis mort dans le film. Je suis totalement... Ah non, attendez, non, j'y crois pas. C'est impossible que ce soit déjà la fin. Il y a 3 ballons à faire, il me semble. Et 2-1. Ouais, comme par hasard. C'est ce qu'il fait. Pas temps à perdre. Comme par hasard. On le point de rappel vers le. On s'est foutu de ma gauche. Ah non, c'est bon, j'ai plus de temps maintenant. Devant aspirante. Tu les tous les deux. Allez go. Deux crasheurs qui arrivent.
Ok. Ok, on est bon, on est pas mal. Premier assaut. On est pas mal non plus. Ok, c'est pas mal. On y va, vous êtes prêts? Yes! Ok, on va prendre ça. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal aussi. On reload très vite. Voilà. Petite esquive latérale, on se fait pas toucher. On met en feu, maintenant on part là-dessus. On se met trois flèches. On repart là-dessus, on se remet... flèches et maintenant ceci, on repart sur trois flèches. Ça c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau en vrai les gars. On n'a pas à... Ok, allez le monstre. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Exécution par gel, on est bon hein. Niveau 40 atteint déjà. Lâcher le ballon. Oh, j'étais tellement large. J'étais tellement large, mais je suis tellement large. Niveau 40, c'est bon, on a pas mal de points à s'attribuer. Par là, aspirant. C'est parti. Lâche ton marqueur. C'est parti, c'est parti. On a pris 6 minutes d'avance. Il y aura une sorte de boss. Hein. Une sorte de world boss. Allez, go. Et de 2. Je dois me dépêcher. Okay. Va prendre la tyrolienne et descends jusqu'à la vallée. Ah, on m'a pas donné plus de temps. Aïe, aïe, aïe. Coup dur pour le joueur franco-allemand. Personne ne s'attendait à un coup aussi bas. Ok. La tempête se lève. On n'y voit rien. C'est rien, c'est rien. C'est rien. Manquait plus que la tempête, évidemment. Mais oui, c'est clair. Je me rapproche. C'est rien, c'est rien. J'ai peur de rien, j'ai peur de personne. On a été les plus bons, on a été les plus forts. Jusqu'ici, on a enchaîné comme Jaja. J'y suis presque. Allez. C'est bon. Plus qu'un seul défi. Allez, on est parti les gars, dernier défi. Je ne sais pas ce qu'on va affronter, mais je peux vous dire qu'on va l'affronter, ça c'est sûr. Ok, hop, on va se recharger. Allez, c'est parti. Wow. Que se passe-t-il? Je ne vois pas les autres, ceux qui doivent attirer nos dernières proies. Ça, c'est des chasseurs, mon cul, ouais. Ok, c'est un ours. Il a la dalle. Ok, c'est deux ours. Ils ont la dalle. Ok, c'est trois ours. Ils ont la dalle. Ah ouais. J'ai volé, hein. Attendez les gars, je suis tellement concentré dans le game. Ok, c'est pas mal ça, j'ai mis une petite flèche je crois. Vache. Attendez, 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 attendez. Je vois où vous voulez en venir, ne m'en dites pas trop.
Voilà, ça dégage. Ok. Aïe, ça fait mal. Mais pourquoi c'est moi? C'est moi leur seule cible. Quelle est cette sombre, oui? Pas mal ça, d'accord, c'est pas mal le ray gun. Ouais, ça sert à rien, ça sert à rien, aucun effet sur eux. Eux, c'est clairement des machines. C'est pas n'importe quoi. Aïe, je suis bloqué, wesh. Ok, c'est bon. Mais les gars, mais y'a que moi, ils voient que moi, les mecs. Ok, on va s'équiper d'une fiole de soin. Ça sert à quelque chose, gros. Mais ils sont énervés. Oh là là. Quoi? Il sert à rien, mon frère, celui-là. Ok. Oh, c'est terrible, hein. Il m'a mis en sueur de ouf, hein. Allez, ça dégage, meurs frère, non? Allez, un en moins. Un en moins. Ok, ça c'est beau ça. Ça c'est très beau jeu ça. Oh putain. Il a pris ce qu'il méritait. Hop, et un petit coup comme ça, c'est gratuit. Ça mange pas de pain, comme on dit dans le milieu. De tout ce qui est baguette de pain, boulangerie et pâtisserie. Ok, c'est le dernier. C'était pas évident. Pas évident. Vache, ils s'en battaient les couilles. J'ai électrocuté, ils s'en battaient les couilles. Ok, c'est pas mal aussi. Petit slalom, c'est pas mal ça. Ok, on se refait vite fait un max de flèches pour un maximum de plaisir. Yo, 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 yo. Il a des pouvoirs. Ok. J'arrive à toucher ses problèmes. Là, faut que je touche clairement son dos. Enfin, son dos, non, son ventre. J'ai l'impression d'être seul, frère. Seul, face au doute. Coup critique, ça part très vite. Ok, ça c'est beau, ça. Ça c'est le point faible, ça. C'est fini, mon pote. C'est donc vrai. Des griffes de gel du fût du tonnerre. Leur attaque a interrompu l'épreuve. Naturellement, il faudra la refaire. Ça ne compte pas. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Elle a vaincu les machines. Pas moi. C'est la preuve. C'est une meilleure chasseuse. Nous sommes Banouk. Survivre, vaincre. C'est tout ce qui compte. Mon sang est sur ton arme. Aucun chasseur ne fera plus l'ascension au feu du tonnerre. La voie est fermée à tous, sauf aux chefs de clan. Et à moi. Je n'en ai aucun droit, mais je te demande une faveur. Vous accompagner, toi et ma sœur. C'est envisageable.
Si seulement tu fais ce que je dis. Non. Seulement si tu fais ce que je te dis. Le flux du tonnerre attend. Il y a un camp à son pied, Lantaï, c'est son nom. Rejoins-nous là-bas quand tu voudras. Chef Aloy. Oh, ce froid. Aïe, c'est beau, c'est beau. Et voyez, Aratak, c'est pas un connard. Même arme qu'Aratak. Le chef de clan a besoin de l'équipement adéquat. Maintenant, à Lantaï. Plus rien ne m'empêche d'aller au fût du tonnerre. Eh ? On n'est pas déjà à la fin du DLC ? Non, quand même pas, les gars. Déconnez pas, rassurez-moi. Bon, ça peut être encore long, mais quand même. J'ai l'impression qu'on est déjà à la fin. Bon, Aratak, c'est pas un connard. C'est plutôt le gars cool, honnêtement. Parce que ils ont une forme de respect. Et ça, on aime le respect, bien évidemment. On est parti ! Oh non, on regardera tout ça. Vous voyez tout ce qu'il nous reste à faire, c'est-à-dire regarder dans l'arbre, aller au fil du tonnerre et tout. On fera ça au prochain épisode. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, je vous fais des bisous, j'espère que cet épisode vous a plu. A très bientôt tout le monde, ciao ciao.